Autonomie vérifiée, donc j'ai vérifié en environ, je crois, 3h, 3h30. C'est bien. Réchauffe carbu poussé, poussé. Radio sur off. Donc là, c'est bon. Frein serré, c'est serré. Et manche en arrière. Le moteur chaud, panne injection. Moteur froid, primaire 2 injections. On met le magnéto sur bof. Je vais mettre ça. C'est bon. Batterie sur on et démarreur 5 secondes maximum. Donc on met la réchauffe. J'attire alors. Ouais, tu attires, voilà. Et là tu démarres. Faut surtout pas mettre de gaz. Voilà, et bien on va refaire recommencer. Là, c'est on. Impeccable, on s'entend. Ah, altimètre réglé, donc là il est réglé peut-être. Voilà. 980, 979 exactement. Et là c'est loin, non? Là t'es 960. Ok, un peu plus. Ouais, tu mets le trade avant le 0. Ouais. Voilà. Ouais, tu vois, c'est des pas de 20, hein. 20, 40, 60, 80. Ouais. Donc l'altimètre réglé, on vient le régler. Hors bloc départ noté. Et le message radio. Donc frein serré, donc là, je viens de le serrer. Pression et température d'huile, donc la température, là, la pression elle est dans le vert. J'ai 1500 tours. Alors on va rentrer la réchauffe. Ouais. Ah, et là tu peux y aller. Magnéto sur bof. Thank you.
Voilà. On est bien aligné. Ouais. Voilà, ben on fait un réchauffe et on y va. Ok. Allez, la puissance. On reste bien sur l'axe. Ouais. Voilà. La vitesse, on va dire est actif. On pousse légèrement sur le vent. Oui, justement, oula. Oula, oula. Voilà, on travaille. La vitesse, on tire. Ok. Rotation, assiette de montée. Donc on monte à 1700. Voilà, on va monter à 1700, regarde, tu vois, on passe très rapidement au-dessus de la couche d'inversion. Voilà, la couche d'inversion, on y est déjà, donc on doit être à... Ouais, j'y ai déjà, donc on va être à 1300 pieds, quoi, pas tout à fait, 1250 pieds. Ah, donc on s'arrête à 1300? Ah non, non, on monte à 1700. Ah, ok. Arrête à 1900? Oh, 2000. Ok. Arrête à 2000 pieds, on sera bien à 2000 pieds. Ça sera bien un rond, tout ça, nickel. Allez, assiette. On sort le pied à droite, on n'a plus besoin. Sors-le, le pied à droite. Sors-le, sors-le. On est en train de le mettre. Ah oui. Pas de pied à droite, sors-le, justement. Abaisse-toi. La mise en palier, on ressort le pied à droite. Allez. Pas le mettre. Voilà. Et dans là, je tiens la réchauffe. Hein? Non, 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 non. Non, vitesse de croisière, hein. Puissance de croisière, c'est bon. D'accord? Ah, ok. Donc, t'as mis la sienne, t'as réduit la vitesse, c'est bien. Oui. La puissance, pardon. Et tu n'as pas compensé l'avion. Donc, on compense l'avion. Ah, c'est bon, là. Impeccable. Allez, on va prendre, tourner à gauche. On sécurise à gauche. Bonjour, Golf Charlie Charlie, oui, bonjour Golf, c'est 6 nautical miles de le sud-est de l'OCA. Je me l'appelle Hinao pour from Van Wyk. C'est quoi la base qui monte? À Jean-Jacques, New Yankee Golf, à 3 minutes de la verticale en provenance de pont. Alors, on va tout droit. Jean-Jacques de Kilo Lima, sortie de circuit à l'est de 1700 pieds. Allez, on va faire un peu de vol lent. Donc c'est préparation machine. Oui. Réchauffe carbu, c'est tiré. Oui. Température, température fonction de l'huile et autonomie. Voilà, en conservant un repère au loin, tu vas réduire en gardant 2000 pieds. Et on va aller chercher 100 km/h. Ok. Tu prends ton temps, hein. Garde toujours sa trajectoire, la vie bien au milieu. Ah oui. Tu n'as pas ton repère, hein. On est parti à gauche. Et un peu de pied à droite. Ça va te permettre. Plus que tu augmentes, c'est comme la... quand tu es remonté. Plus que tu augmentes l'incidence, plus il te faut. Ah oui, c'est. Ouais. Hein, un peu de pied à droite. Pour compenser, c'est très bien. On a 100. Donc tu le compenses à 100. Tu vois, avec le compensateur. Non, ça, c'est la recherche. Attention. Voilà. Bon, je sais pas si je vais pousser au contraire. Ah, je pense, oui. Ah oui. Rappelle-toi. Pour une sortie de zone secteur sud. Lâche le manche, il faut que tu puisses lâcher le manche. Ah non. Voilà, donc il n'est pas compensé. Voilà, tu prends ton temps. Ah, encore un petit chouïa. Non, encore un petit chouïa. Non, dans le sens, t'es obligé de tirer sur le manche. Ah oui. Ah oui, si t'es obligé de tirer. Voilà. Voilà. Tu vois. Ah oui. Tu gardes le pied par contre, voilà, à droite, c'est bien. Donc, il faut pousser un tout petit peu parce que tu vois, il les monte légèrement. Ah oui, légèrement. Et on n'est pas à 100. Donc la puissance est bonne, non, non. Non, non. Faut juste repousser un petit peu. Tu vois. Annuler un petit peu d'incidence. Sortir un peu d'incidence et automatiquement. Hein. Ah oui. Lâche-le. On
Attends un peu. On met le trim. Voilà, c'est pas mal. Ok, on va aller chercher 80. Augmente l'incidence pour pas qu'il descende. Voilà, et là, comme il passe en dessous, tu remets de la puissance. Voilà, le pied à droite comme il faut, on reste bien sur le repère. Donc quand tu remets de la puissance, mets les pieds à droite. Ah oui, il part beaucoup quand même. Oui. Rappelle-toi, quand tu remets en puissance, hein, le conjoint scopique de l'hélice, ça te fait partir à gauche. Ouais. Attention. Voilà. Maintenant, tu trimes, tu compenses l'avion. Avec ton compensateur. Non. T'es obligé de tirer sur le manche, donc automatiquement. Voilà. Allez. Donc là on est en vol lent. Oui. D'accord. Donc les caractéristiques du vol lent c'est quoi? Une forte incidence. D'accord. Oui. Une faible vitesse. Oui. Une forte puissance malgré tout. On n'est pas loin de la puissance. Ouais, de montée. De palier croisière. Ouais. De croisière. Ah ouais. D'accord. Et après, les gouvernes qui sont efficaces, tu vois. Ouais. Ok. Voilà. Maintenant on va passer, on va faire la procédure de sortie du vol lent. Je te rappelle, on bloque l'assiette. Oui. On met plein gaz en rentrant à la réchauffe et avec tout petit peu de pied à droite, pour compenser, je rappelle que quand on met de la puissance, l'avion va partir à gauche. Le couple de gyroscopique de l'hélice va te faire partir ton avion à gauche, tu es d'accord? Oui. Donc, on met plein gaz et on ramène à l'assiette de panier. Ok, et c'est la chauffe en premier ou... Non, d'abord plein gaz. Ok. Bon, là, allez, vas-y. Et ramène à la suite de palier. Allez. Voilà. Tu sors le pied droit et ramène à la suite de palier. Parce que toi, pour l'instant, il monte. Palier. Palier. Non, palier. D'abord, l'assiette. Voilà, l'assiette. L'assiette, on pilote pas avec le genou. Hein. Ah oui. Voilà. Voilà, on relâche le pied, là on n'a plus besoin, mets le comme il faut. Et quand t'as le... Non, mais là tu montes encore. Ah oui, encore. Assiette de palier, là, fais bien l'assiette. Quand il a pris sa vitesse, 130, on réduit et on prime. D'accord? Ok. Allez. D'accord? Ouais. T'as le droit de le faire, c'est pas bon à chef. Allez, on continue tout droit. Du Fox de Mambrico en vent arrière 31 pour un toucher. Soir les orgues à 3000 pieds au QLH. Allez, on va descendre même à 1500 pieds. Ok. Du Fox de Mambrico en vent arrière 31. Voilà, mais mets d'abord l'assiette avant de réduire. Hein. Faut mettre la chauffe. Ouais, mais mets d'abord l'assiette avant de réduire. Alors, la descente, c'est, rappelle-toi, au même petit qu'à monter, c'est assiette de descente, réduction. Mais on réduit pas beaucoup dans la descente, on réduit à peine, hein, 100 tours. Mais on met d'abord l'assiette de descente. Ok. D'accord? Ouais. L'avion ne va pas descendre parce que tu réduis. Si, il va descendre un peu, mais on va mettre d'abord l'assiette, d'accord? Ouais. Allez, on est parti. Oula. Ah oui, c'est parce que ça turbule un petit peu. Allez, assiette de palier et la puissance. Toujours. Non. Ah, ton repère, hein. Voilà, ça c'est important. Le repère c'est très important, hein. Ouais. Toujours garder son repère. Ouais, parce qu'après on peut dévier. Et la réchauffe comme lui, je la pousse. Ah oui. Tu veux ton sens que Julien. Tu la sors avant de réduire, tu remets la puissance et tu rentres la réchauffe. D'accord. Ouais. Allez, on refait un peu de vol lent. Ok. Donc c'est... On va 80. Ok, donc préparation machine. Température, pression, autonomie. Ah, et maintenant, je pense que j'ai un pour retour du vol local dans le 032 terrain. Je vais rejoindre la vente arrière 0750. Bien à 80, c'est bien pour l'instant, tout va bien. Pas dîner comme ça. Ouais, à bientôt. À bientôt, hein, pour l'empêcher de descendre, c'est le manche, voilà. Et là, c'est la puissance. Prenez un peu de puissance, et hop, tu es en train de partir à gauche.
Allez, cabre-le un petit peu et mets-le un peu plus de gaz, voilà. Et tu le trimes. À chaque fois, je me trompe. Allez, vas-y, 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 jusqu'à ce que ce soit bon. On roule un peu plus. Oui. T'es bon? Ouais. Allez, on sort du vol là. Ok. Donc on cale les gaz. Attention, regarde dehors. T'as vu le gaz? Non, 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 non. Oula. Non. Regarde bien dehors quand tu fais des actions. Et corrige-les parce que tu comprends pas que ton... Mais c'est très bien que quand tu mets de la puissance, ton avion il part à gauche. Donc mets du pied, hein. Ouais. D'accord. Allez, vas-y. On sort du vol là. Regarde dehors. Allez, plus vite que ça. Rentre la réchauffe. Allez, rentre la réchauffe. C'est bon. Non, il fallait le faire. J'avais fait tout à l'heure. Ouais. C'est un peu lent. Pour ramener l'assiette de palier rapidement, d'accord? Ah oui, ok. Eh oui. La procédure de sortie du volant, ça nécessite plusieurs actions, hein. Bon, c'est pas que j'ai vendu à ce moment. Regarde, je remets l'avion en volant. Alors, on démarre le tuto à plus à l'est. Je peux vous installer sur une verticale. 500 pieds. On va y mettre, on va même les 70, d'accord. Ok. Voilà. Ok. La sortie du volant. Je bloque l'assiette, je mets plein gaz, j'entre en réchauffe, j'ai mis un peu de pied à droite et je ramène doucement l'assiette de palier pour maintenir l'altitude, la vitesse augmente. D'accord ? La puissance et plein gaz, d'accord ? Et un peu dur dans le manche, je laisse, j'atteins 125, je réduis à 1900 tours, je trime. Mon avion est toujours à 1500 pieds, j'ai l'assiette, derrière je peux lâcher, tout va bien. D'accord ? Allez, priorité à droite, on tourne à droite. La cave, bonjour, le Delta Sierra, on se reporte en vente arrière pour la 13. Dernier virage incomplet, il faut que ce Delta Sierra la cave. Incomplet. Ah, ça fait bizarre. Ah ouais, tu vois. Décoller dans l'autre sens. Hein. Les arbres là-bas, c'est des fois c'est un peu chaud. Ouais. Par contre, on peut poser dans l'autre sens. Bon, c'est tout fermé, il n'y a personne.
La cave, le Delta Sierra, on va s'aligner en 31. Et c'est quoi le nom OACI là, d'ici? C'est terrain privé, donc il n'y en a pas. Ah, il y en a pas. LF 46 quelque chose. Allez, tu veux faire le décollage? Ok. Donc on va décoller, on va monter un peu droit et après on tournera à gauche. Monter 1500 pieds, d'accord? Ouais, il est à la même altitude que ça là à peu près. Ah oui. On va se mettre à 1500 pieds, virage à gauche. Après quand on sera en palier, alors tu te mets en palier et après virage à gauche, on partira légèrement par un cap à peu près par là-bas, tu vois. On va aller à ça là, d'accord? Ok. Donc là, je vais bien, bonjour. La cave Delta Sierra aligné 31 en décolle. Vas-y. Allez, on pousse sur la manche. Allez, on y va. Voilà. On travaille bien les pieds. Hop, 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 on reste sur l'axe. Allez, on peut y aller. Rotation, rotation, voilà. Et juste essayer de monter pendant la montée. Voilà, c'est bien. Il y a la Dordogne en fait. On suivait la Dordogne, on arrive jusqu'à ça là. Par là, c'est là-bas en fait. Ah ouais. Bah, tu montes tranquillement, c'est bien. Ça va de voler comme ça hein. Ouais. Donc à 1500 pieds palier, et après ce sera un virage par la gauche. Ok. Sur là le correction, la câble Fox Delta sera sorti en quitte la fréquence en direction de sur là en bas. Tu mets un palier, sort ton pied à droite. Ah oui, c'est vrai, c'est bien. Chaque fois j'oublie. Allez, tu es trimé, tu es compensé. Pense à la distance, compensation, hein, c'est toujours dans l'ordre. Et là on peut tourner à gauche. Ok, on le sécurise à gauche. Allez, pas grand chose. Bon, il y a un peu de bruit masse. Ouais. Là t'as quand même 50 km de midi. Hein. Ah ouais. Donc si tu on voit pas grand chose. Vois quand il y a 10 km de midi, ce que ça peut donner. Ouais. Voilà. Bonjour, le Delta Sierra, 30 secondes de la finale 28 pour un complet. On la réchauffe. Voilà. Voilà. Bon, on va se mettre en état de base. En finale. Opérateur, pression, autonomie, tout va bien. Sécurité à gauche, personne. J'arrive, dernier virage 28 incomplet pour le Delta Sierra sur là. Allez, regarde, on va se poser sur une roue, on va rigoler un peu. Voilà, on était sur une roue. Ouais. On va poser la roue arrière. Voilà, là on est sur deux roues. Et puis là on va poser la troisième toute seule. Toc, voilà, c'est fait. Allez, à toi les commandes, les pieds. Et de garder l'axe si on peut. Toujours bloqué hein, en arrière, voilà. Sur le Fox Delta Sierra, la piste 28 est évacuée. On prend de la réchauffe. Voilà. Ouais.
toujours droit, 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 parallèle. C'est bon. Alors, les freins serrés, donc les messages radio effectués. La radio sur off. Ça, là, la feuille de tension est repartie, on quitte la fréquence, au revoir. Bloc arrivé et protection qui est en place. 42 minutes.